TNT pour vous, tout notre talent. Une interview spéciale grâce à Brice, hein, parce qu'il nous inspire beaucoup aussi dans cette émission. Tout pour. Je vais vous poser des questions, vous y répondez. Bah, c'est, de toutes les façons, c'est le but hein, de cette émission. Pour qui tu peux tout abandonner, Joe? Pour qui je peux tout abandonner? Tout. Ça, c'est même pas tout ton talent, tout ton atout. Tout, tout, pour tout qui tu peux tout abandonner? Ma mère. Pour ta maman, ouais. T'es capable de tout abandonner? Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais qu'elle peut faire pareil pour toi, c'est ça? Elle le fera, absolument. Mmh. Voilà. Si et je suis obligé de tout abandonner pour elle. Pour quelqu'un, mais ce sera elle. Elle a fait, non? Elle est à la retraite, non? Oui, elle est à la retraite. Elle a abandonné pour ça. Sinon, pour un mouvement, pour une go, tout ça. Pour l'amour, tu serais pas prêt à tout abandonner? De nos jours, on peut jamais être sûr. Parce que vous n'êtes pas encore tombé amoureux. De nos jours, dès que tu abandonnes, elle t'abandonne. Donc, Mehdi, c'est pas ça, en tout cas, en ce qui te concerne. Non, non. Pour moi, pour la musique, je vais tout abandonner. Pour la musique, tu es prêt à tout abandonner? Ouais, parce d'accord. que la musique, j'ai fait plein de sacrifices déjà pour arriver où on est, où on a fait plein de sacrifices. Cheval blanc. Non, quand je dis sacrifice, c'est se réveiller à minuit, marcher de Angers jusqu'aux deux plateaux ici, partager tes CD avec mon gars, de minuit à 5 heures, rentrer à la maison dormir. Et puis, il y a plein de choses, quoi. Les parents qui te coupent les vies parce qu'ils ne veulent pas que tu rentres en studio, donc on ne te donne plus d'argent. Donc, tu es obligé d'aller danser, prendre de l'argent toi-même pour pouvoir gérer tout ça. Ouais, renoncer à une vie au Canada pour la musique. Voilà. Donc, Non, pour la musique, tu as abandonné tes parents. Non, je n'abandonne pas. En fait, je vais expliquer. J'abandonne tout, pour la musique parce que la musique aujourd'hui me permet d'être ce que je suis. Et d'accord. En étant ce que je suis, je peux aider tout sans le monde. Sans musique, tu n'es plus rien, voilà. Tu n'es plus personne. Voilà. Pour quelle situation tu pourrais tout laisser tomber? Pourquoi? Pour quelle situation? Quelle situation? C'est moi. Non mais là, la question n'a pas d'importance. C'est une importance. C'est une importance. Donc, quand tu es vivant. C'est la meilleure situation. Vous tout laisser. Tout ce que je fais actuellement. C'est clair, non? Pour quelle nourriture tu pourrais jeûner toute la journée? Ah, le loco soupé. C'est la banane bien mûre là. Avec qui est cuit dans feuille de la chéquée là. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est la sauce là. Oui. Il y en a deux types. Il y a la sauce noire et la sauce marron. La sauce marron, ça tire comme ça. Et puis la banane est mûre, bien mûre là. On pile simplement. On ne lisse pas comme le foutu. C'est pas du foutu. Voilà. On pile simplement. Ça donne envie en tout cas. Ma chérie, tu ne sais pas préparer le pot souper. Ça, c'est la fin. C'est fini. Là, nous sommes ensemble. Oui, non. Mais tu vas prendre une femme de chez toi, alors? Non, parce que c'est même si elle n'est pas de chez moi, elle va apprendre ça. Elle va faire un stage chez ma maman. Le pot souper, quoi. Mais dis, et toi? Mais il y a quelqu'un à la radio ici qui adore ça. C'est qui? Un animateur. C'est pas Éric Landry? Voilà. Non, Éric Landry, lui, c'est vient de l'homme, il aime. Ça vient de chez lui aussi. Et toi, alors, Mehdi? Foutou, banane, sauce, graine. Ah, mon cher, on est deux. Attends, lui, c'est Annie. Mais Annie, là, c'est bizarre. Mais souvent, elle, c'est la banane bien pilée avec le manioc et puis la sauce claire qu'on appelle la condé. La condé. Voilà, c'est ce qu'ils aiment ça. Non, aussi. Non, André, tu avais une chérie qui avait. J'ai vécu. Oui. Respecter les gens qui ont vécu. Bon, c'est ça. Bon, ben, écoutez, les garçons, ça sera tout. Hein. Parce qu'il y a. Non, il y a une autre question, mais vous avez déjà répondu à la question. Pourrais-tu tout abandonner pour habiter avec la femme de ta vie? Et je crois que la réponse est non. Ah, mais la question, pourquoi? Ça, là, faut pas poser. C'est ça, c'est ce que je me dis. Il y avait tout abandonné. Regarde mes yeux, c'est que je ne peux pas. Non, mais regarde, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? On parle de l'amour. Je pense pas. Moi, je pense pas. L'amour qui rend bête et puis genre, tu sais pas où tu es. Après, c'était intelligent. Mais là, on a chanté Dilemme. C'est ça, on a chanté Dilemme. Mais là, on est intelligent. Non, vraiment, on était bête. Deux fois comme ça, tu peux pas m'avoir. Deux fois bêtement. Non. Ça fait plus, mec. On dit pas ça. Écoute, le message est clair, en tout cas. Et puis, ils ont compris que vous êtes prêts à beaucoup de choses. Arrêtez d'être bête avec les choses. Oui, Barbignon, toi, tu pourrais? Bon, quelquefois. Moi, je réfléchis à ça. Je réfléchis à ça. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Donc quand j'aime, je peux tu pourrais laisser tomber la radio pour une femme. Non, je ne vais pas faire comme mon manager. Non, lui, il l'offre des fleurs. Je peux laisser. Mais c'est bien ça, c'est très bien. La question, c'est est-ce que je peux laisser la radio pour aller avec elle? Oui, pour une femme. Non, le studio, oui, mais je n'ai pas fait avec poste de radio. Pour écouter toujours le système.